Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous encore une fois pour ce quatrième plateau consacré aux jeux sportifs arabes que vous propose en direct Canal Algérie. C'est le quatrième plateau qu'on vous propose. Beaucoup d'activités, beaucoup de sports qu'on est en train de suivre en direct sur Canal Algérie. J'ai le plaisir d'avoir, comme à l'accoutumée, comme vous êtes habitués à le voir avec nous, notre consultant. Pour la circonstance, M. Chouqi Achour, qui est le DTN de la Fédération algérienne Handisport. Chouqi, merci d'être avec nous encore une fois. Bonsoir Fatah, le plaisir est pour moi et bonsoir à nos téléspectateurs. Et donc Chouqi, belle récolte des sélections algériennes, toutes disciplines confondues. Hier, il y avait une très très belle récolte, beaucoup de médailles. L'Algérie est en train de caracoler en tête du classement avec pas moins de 78 médailles, tout sport confondu, et je dirais aussi toutes couleurs confondues, tout matériaux confondus, en or, en argent et en bronze. L'Algérie est première avec 78 médailles, suivie du Bahreïn, ensuite de la Tunisie. Si on devrait voir la récolte des médailles Chouqi, est-ce qu'on peut dire qu'on est satisfait de ces résultats obtenus durant ces quatre premiers jours des Jeux? Fatah, je dirais moi, le fait d'être premier au tableau des médailles, donc il y a satisfaction, que ce soit de la part du côté d'athlétisme, côté natation, côté judo, on attend la razzia du côté boxe et d'autres sports qui suivent. On attend la razzia du côté boxe, vous me devancez, parce qu'on aura tout à l'heure en direct les combats de boxe. Il faut rappeler que nous aurons les demi-finales masculines, Mziane Mohamed Amin en 51 kg, Maouch Hicham en 57 kg, Eït El-Baqa Yogurta en 63 kg, et aussi Yaïch Youssef en 71 kg, ça c'est en messieurs. En dames, nous aurons aussi Boualem Romeissa en 50 kg, on verra tout ça à partir de 16h. On aura aussi à partir de 18h les finales de natation hommes et femmes. Avant de commencer, Amina va nous montrer le tableau des médailles et le classement de l'Algérie, comme je le disais tout à l'heure. L'Algérie caracole en tête. Voilà, nous avons le classement. L'Algérie est première avec 78 médailles dans 34 en or et 20 en argent et 24 en bronze, suivi du Bahreïn avec 14 médailles en or, 7 en argent et 7 en bronze. Donc on voit, Chouqi, quand même que c'est une domination algérienne, contrairement au premier jour des Jeux. Avec un écart de 20 médailles d'or avec le Bahreïn, je pense que c'est pas, on n'écrase pas, mais on caracole en tête. On caracole en tête, donc il n'y a pas photo. Donc, comme on l'a pressenti dès le premier plateau, donc je pense que l'Algérie sera intouchable au tableau final. Au tableau final, là, c'est même avant la fin des résultats, vous vous avancez pour dire l'Algérie sera intouchable. Vu l'écart, on est en train de voir 78 médailles quand même, c'est pas rien. Maintenant, je pense qu'il faut voir du côté du record. Maintenant, il faut voir le record de l'Algérie en médaille d'or.
lors de l'édition, je ne sais pas, passée, je sais pas. Maintenant, il faut voir abattre le record de la meilleure édition déjà passée. Et donc, Chokri, vous étiez en train de parler de quelque chose de très intéressant, les records. Pour revenir à l'historique, d'ailleurs, Halima Oushi l'avait signalé lors du premier plateau, l'Algérie, globalement, depuis le début des Jeux, n'est devancée que par l'Égypte. L'Algérie, c'est-à-dire sur le plan record, on est deuxième après l'Égypte, toute édition confondue. Exact. L'Égypte a toujours été, a toujours écrasé les éditions passées. Maintenant, moi, je parle de records de l'Algérie dans les éditions passées. Je ne D'accord. sais pas combien on a eu, combien le record en médaille d'or, mais là, je pense qu'on va écraser le record des médailles d'or. Donc c'est un objectif aussi, peut-être inavoué, mais c'est un objectif aussi que l'Algérie, nos athlètes, toutes disciplines confondues, ont pour objectif de battre les records, et notamment le nombre de médailles, toutes éditions confondues. Exactement. Maintenant, il faut voir des côtés des statisticiens pour nous donner le record de la participation algérienne dans des éditions, les éditions des Jeux arabes passées déjà. Voilà. D'accord. Donc, Halima Oushi en avait parlé. Je pense que l'Égypte est à un petit peu plus de 3 000, je pense, un petit peu plus de 3 000. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on reviendra sur ça dans nos prochains plateaux, dans nos prochaines éditions. Mais en tout cas, l'Algérie est bien partie pour battre ce record. Je rappelle qu'elle devance le Bahreïn déjà en médaille d'or, de 20 médailles d'or, et ce n'est pas facile. Je pense que même pour les disciplines qui restent, il ne reste pas 20 médailles en jeu. Fatah, moi, je parle pas de record par rapport à l'Égypte. Je Par parle rapport aux éditions, c'est-à-dire exactement dans une édition bien précise, le nombre de médailles d'or obtenues. par rapport à notre participation. Absolument, Voilà, voilà. pas par rapport à l'Égypte. Voilà. Et donc, si on revenait, Chokri, vers, allez, je vais dire entre guillemets, votre spécialité, est-ce que les résultats sont satisfaisants? On va parler d'athlétisme. Vous avez pu analyser tout ce qui s'est passé en athlétisme et tout. Est-ce que les résultats sont satisfaisants, toutes spécialités confondues, bien sûr. Donc, maintenant, je demande excuse au DTN de la Fédération athlétique parce que je vais me mettre à sa place. Voilà, parce que c'est de Oui, son mais bon, ressort. c'est Mais votre spécialité aussi. voilà. Moi, je dirais déjà, j'ai vu hier que l'Algérie a été à la tête du tableau des médailles d'athlétisme avec 14 médailles d'or. Je pense que c'est très satisfaisant. On a vu l'illustration de nos champions. Sauf la déception de la rouleau sur 400 mètres rayés. Hier, sur 5 médailles d'or possibles, on a eu 4 médailles d'or. Donc, je pense que c'est très satisfaisant. Vu le tableau des médailles, 14 en or, je pense 9, 9, 9 en argent et 8 8 en en bronze. Je bronze, pense exactement. que voilà, je pense que c'est très satisfaisant. On a vu une compétition d'athlétisme avec des performances de top mondial. Un 9,04 en 3000 mètres steeple dame, c'est du top mondial. Un 17 mètres 30 au triple saut par Terik Yasser. C'est aussi On du haut reviendra niveau. vers tout ça, Choukri, on va le Voilà. développer tout à l'heure. Nous avons un sujet préparé par notre ami Sidi Ahmed Bouraïb, un sujet qui nous fait la récap de la journée, un résumé de la journée d'hier, athlétisme, natation, volleyball et handball. On suit le sujet, on revient sur le plateau. 10 nouvelles médailles d'or sont venues enrichir la moisson algérienne. L'athlétisme et la natation ont eu la part du lion avec 4 breloques chacune. Au centre aquatique d'Oran, Amel Mellih a fait d'une pierre 2 coups en décrochant la médaille d'or du 50 mètres papillon et réalisant au passage un nouveau record d'Algérie qui est désormais de 27 secondes 15 centièmes. Quelques minutes plus tard, c'est sa coéquipière Rania Nefsi qui s'adjuge la première place du 100 mètres brasse en 1 minute 12 secondes et 17 centièmes. Les nageurs ajouteront 2 autres médailles avec Imen Zitouni sur 200 mètres d'eau et le relais 4 fois 100 mètres nage libre. À quelques encablures de là, le stade Miloud Hedfi abritait les épreuves d'athlétisme. Le vétéran Larbi Bourada a mis fin à sa carrière de la meilleure des manières en remportant le décathlon. Le 800 mètres est largement dominé par Slimane Moula et le saut en longueur par Yasser Triki. La dernière épreuve d'athlétisme au calendrier de ces Jeux, le relais 4 fois 400 mètres masculin, est remportée par l'équipe algérienne.
Dans les sports collectifs, les handballeurs ont enchaîné une deuxième victoire de suite en venant à bout des Qataris par 28 à 27 après un match très serré. Une autre victoire contre le même adversaire, cette fois-ci en volleyball, sur le score de 3-7 à 0, 25-12, 25-16 et 25-12. Voilà, merci Sidi Ahmed Bouraïb pour cette récap, pour ce résumé de la journée d'hier. Comme le disait Sidi Ahmed Bouraïb, je reviens vers vous, Chouqi, pour parler de l'athlétisme. Je dirais encore une fois, entre guillemets, votre spécialité, l'athlétisme. Mais le vétéran, il n'est pas aussi vétéran que ça, l'Arabi Bouradam. Moi, je pense qu'il a de beaux restes. Hein. Il a quand même réussi, c'est une compétition, et pas des moindres. C'est les Jeux sportifs arabes. Et l'Arabi Bourada qui s'adjuge une médaille quand même très intéressante. Écoutez, si on parle de l'âge, pas mal de sportifs vont décrocher. Mais Borada, c'est pas n'importe qui. C'est un athlète qui a un record de 8300 quand même. C'est le top mondial. C'est le top mondial. D'accord. Et moi, je suis très content pour lui parce qu'il jubile avec une médaille d'or aux Jeux arabes. C'est très bien. Bravo, Borada. Belle sortie, quoi. Oui, très belle sortie. Il jubile avec une médaille d'or, donc c'est bien. C'est un athlète qui aurait pu. Bon, il a fini. Il est revenu de blessure, choqué, pardon, je vous interromps. Il est revenu de blessure. Moi, j'ai assisté à sa rééducation au niveau du CNMS, mais c'est un véritable battant. C'est quelqu'un qui savait qu'il avait encore à donner au pays, il avait encore de la joie à donner aux supporters algériens, au peuple algérien. Il a tenu parole. Je l'avais rencontré, ça fait quelques mois de ça au CNMS, et vraiment, vraiment, je lui tire chapeau. Fatah, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Moi, je me souviens, en 2016, j'étais DTN intérimaire parce que le DTN était à Rio quand il a fait 5e. Borada, il a fait 5e au JO avec la même blessure. Donc, vous voyez comment. Si ce n'est pas la blessure. Donc, c'est une blessure récurrente, si oui, je comprends oui, bien. Il aurait fait podium en 2016. Borada, il était au top de sa forme. Il était au top de sa forme physique. Dommage, avec la blessure, il a fait 5e. Donc, chapeau à ce guerrier. Et bravo, Borada. Et bonne continuation. Très bien. De Borada, je switch directement vers Slimane Moula. Aussi, ça a été une satisfaction. Peut-être un petit peu attendue, mais c'est une satisfaction. Moula, c'est un autre guerrier. Pourquoi? Parce que hier, il a enchaîné un 800 mètres. Et un 4 fois 400 parce qu'il a fait le quatrième relayeur en l'espace de 1 heure. Donc c'est un athlète extraordinaire. C'est-à-dire qu'il était en phase de récupération musculaire, comme vous l'appelez vous. Oui, un 800 mètres en 1,46, c'est pas, on récupère pas aussi vite en que une ça. Heure. Exactement. Et il a fait, il était le quatrième relayeur sur le 4 fois 4 où l'Algérie a ramené la médaille d'or. C'est super, c'est très bien. Avant d'aller vers le top du top, le 4x400 aussi choqué une grosse satisfaction. Ça a été toujours l'Algérie. Vous vous souvenez bien l'année dernière au Jeux méditerranéens, lorsque l'Algérie a survolé. Et c'est le même Moula qui a fait le quatrième relieur sous les ovations de tout du un public, stade. Ouais, tout exactement. À fait. C'était une médaille d'or. C'était la meilleure médaille de l'Algérie aux Jeux méditerranéens. Même hier, elle a fait la sensation, cette course, le 4x4. Maintenant, Chouqi, permettez-moi de passer. Là, je fais un petit coucou à notre rédacteur en chef, Mokhtar Hamani, parce que c'est lui qui en a parlé, il a donné l'information. Grosse, grosse, grosse performance de Triki. Oui, sur le triple saut, le 17-30 déjà. Pardon, avant de. Est-ce que c'est de niveau mondial, Chouqi? C'est le top mondial, 17-30. Et son record personnel, c'est 17-45. Avant-hier, il a fait 17-30, c'est sa quatrième meilleure performance personnelle. D'accord. Et 17-30, ça le place déjà dans le top 5. Le top 5. Top 5 mondial. Oui, donc actuellement, il est au top 3. Il est au top 3 mondial et de bon augure pour le prochain championnat du monde de Budapest. Très bien. Voilà. Maintenant, on a parlé des beaux sujets, on parle des moins beaux sujets, pour ne pas dire les mauvais sujets. Oui, je pense que c'est. On est vers une deuxième déception. Je me rappelle Lahoulou qui avait eu quelques petits problèmes lors d'une dernière course. Vous devez vous rappeler mieux que moi cette histoire-là. Et là, il récidive.
C'est dû à quoi? Il a beaucoup, beaucoup de potentiel, un énorme potentiel, un bijambiste, comme le disent les spécialistes, c'est quelqu'un qui saute les haies avec le pied droit et avec le pied gauche, chose qui n'est pas évidente chez les spécialistes du 400 mètres haies. Et là, il cale encore une fois. Comment vous expliquez ça en tant qu'athlète choqué? C'est vrai que lors des demi-finales, on l'a vu très, très à l'aise. Il a gagné très à l'aise. Il se baladait. Oui, il se baladait. Hier, moi, j'ai constaté que le vainqueur, il était derrière. Donc, il a calculé toute sa course sur la holo. La holo, il est passé, comme on dit nous, dans le jargon de... Voilà, à l'aveuglette. Tout à fait, oui. Et le meilleur... Enfin, la tête qui était proche, très proche de lui, il était derrière. Donc, il a calculé toute sa course sur la holo. Et là, il l'a chopé à la dernière... On a vu hier que la holo a bloqué sur la dernière haie. Et voilà, il était coiffé au poteau. On a vu la déception sur le visage de la holo. Dites-moi, en tant que spécialiste, allez, parlant en spécialité, parce que c'est votre spécialité aussi, et vous connaissez toutes les disciplines en athlétisme, est-ce que c'est une erreur technique? Est-ce que c'est une erreur tactique, entre guillemets? Bon, je ne sais pas comment je dois l'appeler, mais est-ce que c'est une erreur de la houlou, une erreur qui pouvait être évitée? Je ne veux pas l'accabler, hein, je ne veux pas l'accabler. La houlou voulait certainement donner du bonheur aux supporters, aux spectateurs au niveau du stade, mais bon, ça n'a pas marché. Comment vous qualifiez ça? Certes, il a fait sa course, hein. Il a fait sa course, il a fait tout ce qu'il faut pour gagner. Maintenant, il est tombé sur un athlète qui était au top de sa forme. C'est ça le sport, hein. C'est ça l'athlétisme. Même la holo, quand il était jeune, il a fait pareil. Donc, on l'a vu émerger au championnat du monde, on l'a vu émerger aux Jeux Olympiques quand il s'est qualifié aux demi-finales. Voilà, il a fait sa course, mais dommage. Voilà, il manquait quelque chose pour un chouïa de concentration. Voilà, un chouïa, voilà. Ouais. Voilà, moins de 2 ou 3 mètres, il aurait gagné. Mon ami Saïd Fellah, qui est en régie, qui me parle d'une belle image de notre championne Imen Khalif. Je ne sais pas si on peut la voir, Saïd, si l'image est toujours d'actualité. On reviendra tout à l'heure vers cette image. On avait une belle image de notre championne Imen Khalif, tout sourire, tout joie. D'ailleurs, on souhaite tout le temps voir Imen Khalif avec ce sourire. Elle sourit, elle, et elle nous donne beaucoup de bonheur. Alors, pour revenir, Chouki, à l'athlétisme, donc, on avait fait le bilan, on en a parlé, on a dit que la fédération... a atteint ses objectifs, des objectifs tracés, avoués et inavoués. Maintenant, je vais parler des performances, au-delà des médailles. Je parle des performances en termes de temps, en termes de timing. Vous connaissez les classifications mieux que moi. Exactement. Alors, est-ce que, d'une manière globale, est-ce qu'il y a satisfaction à propos des performances? C'est-à-dire, ce qui a été réalisé, par exemple, dans les spécialités où il faut des minima, pour les Jeux Olympiques, des spécialités où il faut un record pour pouvoir être qualifié au championnat du monde, par exemple, ou au championnat d'Afrique et tout, ben, sur le plan résultat proprement dit, est-ce qu'il y a une satisfaction? Satisfaction pour ceux qui ont réalisé les minima, Fatah, parce que ce n'est pas tous les athlètes qui ont participé aux Jeux Arabes qui vont participer au championnat du monde. Je dirais que pour certains, déjà la saison est déjà finie, sauf qu'ils ont déjà encore les championnats européens. Mais pour nos athlètes qui sont qualifiés pour les championnats du monde, je dirais que c'est très très satisfaisant. Commençons par Teriki, 17 mètres 30, Moula qui se balade 800 et 4 fois 400. C'est bien pour nos représentants au championnat du monde. C'est bien pour nos représentants. Parole de spécialiste, Chouki Achour, notre consultant pour ces Jeux sportifs arabes. Je profite de l'occasion pour rappeler à nos chers téléspectateurs qui pourront suivre en direct sur Canal Algérie le match de football Algérie-Liban pour le compte de la 3e journée. Des poules, rappelant que le match nul suffit à nos capés pour se qualifier en demi-finale. Donc, ça sera à 21h en direct sur Canal Algérie avec notre ami
Smaïn Belkaïdia. On reviendra aussi à une autre spécialité, Chokri, si vous permettez. On l'avait vu aussi. Bon, peut-être que ce n'est pas totalement votre spécialité, mais vous en avez parlé. J'ai découvert en vous un connaisseur en judo. Vous avez dit avant-hier que c'était une lutte algéro-tunisienne. C'est vrai que la Tunisie avait pris le dessus à un certain moment, ensuite l'Algérie. Moi, je pense que le judo aussi a été une satisfaction dans ces Jeux arabes pour les sélections nationales. Ça a été toujours le judo, on l'a dit, hein, le judo, la boxe, l'athlétisme, la natation, ça a été toujours une satisfaction. Cette édition, nous avons découvert une nouvelle génération de judokas, des jeunes qui montent. Bien sûr, à leur tête, le prodige Driss. Voilà. Saoud. Oui, Driss Mesaoud. Voilà, Driss Mesaoud. Aussi de niveau mondial. Voilà. Parce que Chokri, permettez-moi, excusez-moi, je reviens à chaque fois vers ce terme-là. Ce n'est pas pour dénigrer les jeux arabes ni les jeux africains et tout, mais le président de la République a été clair dans ses instructions. Il demande à ce que les athlètes algériens qui représentent les couleurs nationales soient mis dans les meilleures dispositions pour préparer les joutes prochaines. Il parlait certainement plus des Jeux olympiques, mais aussi des championnats d'Afrique, des championnats du monde et tout. Et c'est pour ça que je reviens à chaque fois vers le terme niveau mondial. Niveau mondial, quand on parle d'une spécialité, que ce soit le judo, la boxe, la natation, heureusement l'athlétisme aussi, nous avons beaucoup d'athlètes qui réalisent d'excellentes performances. Globalement, d'une manière générale, est-ce qu'on arrive, on commence à se frotter à ce niveau-là? Écoutez, Fatah, l'État met les moyens. Oui. Les moyens financiers, surtout les moyens financiers. Effectivement. Donc, je ne vois pas pourquoi priver ces athlètes de la préparation de niveau mondial. C'est important. Donc, l'État met les moyens, la tutelle met les moyens, quand je dis la tutelle, le MJS. Oui. Les fédérations, ils n'ont qu'à exécuter parce que les moyens sont là. Les moyens financiers sont là. Donc, il faut mettre ces athlètes dans les conditions approprié pour préparer les échéances mondiales. Maintenant, retournons en Algérie. En Algérie, il nous faut les centres de préparation. Je l'ai dit hier, il nous faut un centre de préparation. La pierre angulaire. C'est important, c'est très très important. Et quand je dis un centre de préparation norme avec mondiale. Toutes les commodités. Oui, norme mondiale. Récupération, tout ce qui s'en suit. Merci beaucoup. Oui, oui, non, enfin, mais vous êtes un médecin et vous... Voilà. Oui, oui, tout à fait. Quand je dis un centre de préparation, pas uniquement les infrastructures sportives, mais aussi un centre médico-sportif. Mais bien sûr, voilà, tout. La récupération et tout. Il faut éviter que le sportif utilise le transport pour se déplacer de lieu d'hébergement à l'entraînement. C'est clair. Voilà. Et ne faut-il pas, Chokri, selon vous, ne faut-il pas s'aligner sur la Fédération algérienne de judo qui a, entre guillemets, fait une sorte de stage ouvert, c'est-à-dire en constante préparation nos athlètes, et d'ailleurs les résultats sont là. Il n'y a pas de hasard dans ce genre de résultats, c'est-à-dire c'est la préparation, il n'y a que le travail qui paye. Et bien les athlètes en judo, on l'a répété à plusieurs reprises, les spécialistes en judo nous en ont parlé, ils sont en stage open. Ça se fait en avant. Avant, ça se fait. Ça se faisait. Ça se faisait. Ça se faisait avant. Moi, je citerai les Boulmerka, les Morsley. Qui étaient en constante préparation. Exactement. À l'hôtel Saint-Juillet. À l'hôtel Saint-Juillet. D'accord. Les athlètes étaient en stage constamment. L'athlétisme, le judo, la boxe, voilà. Et l'athlétisme, le judo et la boxe. Mais moi, je parle de maintenant. Nous avons beaucoup d'espoir. On était en train de les citer. Moula, Triki, aussi Lahoulou, qui a encore de beaux jours devant lui et tout. Est-ce que ces athlètes-là, Chokri, actuellement, sont en train de bénéficier de ça? Ça d'un côté. Et d'un autre côté, la participation au meeting, c'est quelque chose de très, très, très important. Se frotter constamment au niveau mondial. Parce que, bon, c'est pas aussi pour dénigrer le championnat national. Au contraire, nous avons des athlètes, nous avons des temps qui sont réalisés, qui sont quand même extraordinaires. Mais se frotter carrément tout le temps au niveau mondial, c'est quelque chose de très très important pour ce genre d'athlètes. En athlétisme, je pense que ces athlètes sont constamment en stage, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Maintenant, la participation au meeting, tout dépend du ranking de l'athlète. Hein. C'est parce que les organisateurs des meetings. Et vous en connaissez un brin, vous avez passé une bonne partie de votre vie à participer à ce genre de meeting, notamment dans les marathons et voilà, tout. Exactement. Donc c'est un planning qui est fait en début d'année, c'est-à-dire pour toute l'année? Pour toute l'année, maintenant, moi je parlais des organisateurs des meetings. Donc ils ne vont pas s'amuser à inviter des athlètes qui n'ont pas de niveau. Donc pour opter à participer à un meeting, donc il faut avoir un niveau. Cercle fermé sans Exactement. Récepteur. Et là, Exactement. On reviendra vers ce que disait notre consultant, notre spécialiste plateau, Chouqi Achour. C'est les centres de formation, c'est les centres de préparation. Et quand il a dit le centre de préparation, c'est avec un grand C et avec un grand P, c'est-à-dire centre de préparation sportive, mais aussi centre de préparation accompagné de moyens de récupération et centre médical aussi, pour que l'athlète reste constamment au niveau de ce centre. Est-ce que j'ai bien résumé la situation, Jean? Exact, Fatah. Moi, je cite un exemple. Les années 60, 70, 80, le centre de préparation, c'était le CNEL Benaknou, l'actuel cercle militaire. C'est un centre qui a fait émerger pas mal de sports, les Rahoui. Oui, surtout Boualem Rahoui. Boualem Rahoui aussi, et beaucoup, beaucoup d'athlètes aussi. Le Grand Morsli, les Aïdat, les Lito. Le Grand Morsli, vous parlez d'Abdrahman. Oh, exactement, exactement. L'athlétisme, la boxe, les Moussa, c'était à Ben Aknoun, le judo, les. Tous les sports, c'était au Kenan, le Benakoun, et les anciens connaissent ça déjà. Oui, bon, je fais partie de cette génération, donc je connais un petit peu. Mais j'allais vous poser une toute petite question, peut-être un petit peu, je ne dirais pas, c'est vous le spécialiste, moi je la pose, tirez le banc et dégagez le mauvais. Le demi-fond, je vous en ai parlé avant-hier, je n'ai pas eu de réponse précise, je reviendrai vers le demi-fond. Le peuple algérien est tombé amoureux du demi-fond. Le 800, le 1500. Maintenant, on ne le domine plus aussi fort, aussi bien qu'aux époques de. Je commencerai par Morsli et Boulmerka en arrivant à Toufik Makhloufi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis avec vous, Fatah. On ne le domine pas. On ne domine pas le demi-fond, le 1500, le 800, comme on avait 4 médailles d'or olympiques sur le 1500. Et qui est un record aussi. Oh, voilà, exactement. Possible que la spécialité n'est pas bien exploitée actuellement avec nos athlètes. C'est ça la question, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la pâte existe. La pâte, voilà. J'allais revenir vers ça en disant peut-être que la pâte n'existe pas. Le 1500 mètres, c'est une spécialité maghrébine. Le 800 et le 1500. Le 800, 1500, c'est une spécialité maghrébine, bien sûr. Bon. Des moments, il y a une concurrence de la part des Éthiopiens, Kenyans et tout. Mais ça a été toujours une spécialité maghrébine. Et on connaît déjà les champions qui sont succédés sur Oui, exactement. Voilà. Exactement. Mais moi, je parlais des nôtres, Chouqi, si vous permettez, je parlais des nôtres. Allez, je vais poser la question directement, je ne vais plus faire de tour. Quand c'est qu'on aura un autre Morsli, une autre Boulmerka, un autre Toufik Makhloufi. C'est ça, les Algériens attendent de ça avec impatience. Je vais t'expliquer, Fatah. Quand on mettra une bonne stratégie. Voilà, parlez-moi de cette stratégie, justement. Bon, brièvement. Je vais vous donner un exemple très, très simple. En agriculture. Hein. D'accord, en agriculture. Vous avez une terre qui est bonne en pommes de terre. D'accord. Pourquoi faire planter des tomates. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. L'Algérie a un grand potentiel dans le demi-fond, notamment le 1500 et le 800 mètres. Il faut exploiter dans cette discipline. Une bonne stratégie de la part de la fédération et on aura des champions. Et vous dites, il y a de la patte. C'est-à-dire, vous parlez dans les jeunes catégories, vous parlez dans les. Vous suivez, de toute façon, même si vous êtes maintenant en DTN, en handisport, vous ne pouvez pas quitter l'athlétisme, vous C'est faites sûr. Le suivi et tout. Donc, quand il y a des championnats nationaux comme ça et tout, vous avez vu certaines valeurs dans lesquelles on peut vraiment investir. Actuellement, Fatah, nous avons une poignée, une dizaine d'athlètes qui sont à 3,35, 3,36, 3,37. C'est-à-dire, donc, parlez aux téléspectateurs, proches. Expliquez aux téléspectateurs quand vous parlez de 3,35, 3,36 et 3,37. 3,35, 3,36, 3,37, c'est le niveau proche du niveau mondial.
Maintenant, le niveau mondial, c'est 3,30, 3,29, 3,31, 3,32. Donc, ces athlètes-là, il faut les exploiter, il faut leur donner les moyens, il faut une bonne stratégie pour les ramener au top mondial. C'est facile. Et vous pensez qu'ils y pensent? Vous pensez qu'on va aller vers ça? Vous pensez que nous avons les moyens d'aller vers ça? Vous pensez que ça nécessite beaucoup de choses, mis à part les centres dont on a parlé, mais les moyens de détection, les moyens de prise en charge de ces jeunes-là, d'abord au sein de leur... Parce que, bon, pour le moment, c'est des jeunes, ils sont en scolarité et tout, ils ne peuvent pas être constamment en regroupement et tout, mais quelle est la meilleure manière de faire ce suivi? Est-ce que c'est les récupérer au sein de l'élite, en faire un groupe? Et travailler tout ça sur des années. Vous avez cité une phrase, c'est de les mettre constamment. Oui, moi je Voilà, m'inspire de vous. de les mettre constamment en stage. C'est pour ça qu'on parle des centres de regroupement. C'est de mettre les athlètes dans les conditions de préparation pour qu'ils aient cette marge de progression. Si vous êtes appelé à faire un planning pour ça, on suppose que vous allez faire un retour au niveau de la Fédération d'athlétisme et vous faites un planning pour ça. Pour des jeunes, j'allais dire, d'abord, la tranche d'âge dont vous parlez, c'est... On ne peut pas parler de spécialisation en dessous de la catégorie junior. Hein. D'accord, Voilà. c'est-à-dire les C'est 16 ans. junior au-delà 16 de. ans. Non, non, c'est U20 et plus. Ah, U20, d'accord, Voilà. très bien. U20. Bon, moi, je suis en train de Voilà. penser sur une autre spécialité. Saïd Flak m'aurait compris, bien sûr, on parle du même sujet. Mais vous, c'est votre spécialité. D'ailleurs, Saïd est en train de me dire de vous laisser développer. Il est en train d'apprécier l'athlétisme. Je pense qu'il va changer de spécialité dans quelques temps, Saïd. Bienvenue, bienvenue. Voilà. Et donc les prendre en charge, vous avez dit investir sur cette spécialité, la tranche d'âge. Est-ce que d'abord le suivi doit commencer au niveau de leur club ou les récupérer par exemple à l'âge de 17-18 ans et les ramener en élite pour le centre de formation? Bon, déjà, le suivi au niveau des clubs, c'est bien. Parce que il faut pas oublier, c'est des jeunes scolarisés, donc il ne faut pas les enlever de leur comment dire, Leur scolarité. voilà, scolarité, leur milieu naturel et tout. Mais une fois l'athlète. Bon, je pense que tout ça doit être tracé par le DTN de la fédération. Parce que moi, ma conviction, c'est quoi? N'importe quel DTN de la Fédération d'athlétisme, s'il vient y mettre une stratégie pour investir sur 1500 et 800, il peut faire beaucoup de choses. Et personne ne peut lui envier de ce que tu fais ou quoi. Parce que le 1500, c'est la propriété L'Algérie. de l'Algérie Ouais, l'Algérie ou de la surtout. région Ouais. maghrébine. Voilà, Voilà, c'est ça. tout à fait. Voilà. Et maître, moi, je suis pour ce que nous avons dit tout à l'heure. Les regroupements permanents, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique. C'est une expérience qui a ramené des médailles à l'Algérie et des médailles quand l'ancien président que tout le monde connaît, Monsieur Lounas, qu'on salue s'il nous regarde, Oui, salut Monsieur c'est Lounas. lui qui a opté pour cette méthode-là. Constamment en Oui, regroupement, constamment. c'est-à-dire constamment en regroupement, c'est 3 semaines sur... C'est toute l'année. C'est D'accord, d'accord. toute Donc l'année. la scolarité, elle se fait au niveau du... Oui, Très bien. exactement, exactement. Et c'est grâce à lui qu'on a eu les premières médailles en athlétisme lors des championnats du monde 91 à Tokyo. Hassiba, médaille d'or, Morsliha, médaille d'or, Azdine Brahimi, médaille de bronze aux 3000 mètres Oui, steeple, 3000 mètres steeple. Yasmina Azizi, cinquième au heptathlon. Donc c'était. Ensuite, il y a eu Nouria Braach, il y a eu. Oui, mais après, en 92, on a eu médaille d'or olympique de Hassiba Hassiba voilà. Boulmerka, oui. Bon, la chute enfin, la défaillance de Morsi aux 1500 mètres, mais il s'est racheté après. Voilà. D'accord. Et donc pour reparler de tout ça, expliquer simplement que moi, je vais faire le similaire, peut-être que ça ne se ressemble pas. Vous vous rappelez dans le cadre de, j'allais dire, du changement de système en 78 pour le football et tout, les regroupements permanents des sélections jeunes nous a permis d'aller en 79
en Coupe du Monde junior. Junior, oui. Avec ouais. les Chaïb, les Majas, oui. Non, 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 Yahi, Bouiche et tout. Ouais. Et c'est une sélection qui a perdu d'ailleurs contre l'Argentine en deuxième tour en et deuxième tout. C'était, tour, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était. Donc, pas de secret aussi bien dans les sports co que dans le football, que dans les sports individuels et tout. Pour vous, le seul, la seule et unique façon de se hisser au niveau mondial, c'est la création des centres de regroupement, le suivi de ces athlètes. Mais il y a un autre point dont on n'a pas parlé. À l'intérieur du pays, l'Algérie, ce n'est pas qu'Alger. À l'intérieur du pays, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles qui sont connues pour ça, pour l'athlétisme. Vous connaissez ça, Chokri, mieux que moi. Batna, par exemple, qui a Tébessa aussi. Il y a beaucoup d'écoles à l'intérieur du pays. Comment faire avec ces jeunes-là? C'est-à-dire, on prend les meilleurs, mais le reste, c'est-à-dire pour le travail. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut, même au niveau des régions, ça c'est pour faire appel aux responsables locaux, même au niveau des régions, donner un minimum de moyens pour préparer ces jeunes-là avant qu'ils ne partent à l'élite? Bien sûr, Fatah, je pense qu'au niveau de la fédération, on décentralise. Les sélections se font déjà au niveau de la Wilaya, de la Ligue de Wilaya. Après, il y a la sélection régionale. Et après la sélection régionale, il y a la sélection nationale. Donc c'est comme ça qu'on ramène les athlètes étape par étape. Donc le travail de base, il ne faut pas le négliger. Choqué, ouais. Pourquoi je vous parle de ça? Moi j'ai vu, bon, parfois sur les réseaux sociaux, parfois je découvre ça dans le tas et tout, des jeunes qui ont réalisé des résultats, des jeunes de 12-13 ans qui ont réalisé des résultats. Mais alors là, spectaculaire, un jeune, je pense qu'il a fait dans le 3000 ou dans le, je ne sais pas, qui courait pile, qui a flirté avec un record africain, le garçon, une seule personne de la campagne, c'est son entraîneur. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, ça? Attention, Fatah, là, on rentre dans le... dans le détail du détail. Dans le détail, écoute, du détail, si, dans la méthodologie. On peut pas faire d'omelette sans casser pour les jeunes. Pour les jeunes, attention, en méthodologie d'entraînement, en athlétisme, pour les jeunes, le meilleur moyen, c'est la familiarisation, la formation et tout ça. Il faut éviter la spécialisation. C'est ça qui tue les jeunes en athlétisme. Il faut éviter tout ça parce que c'est néfaste pour les jeunes. Sur les statistiques, dernièrement, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux. On n'a jamais vu sur les tablettes de record. On n'a jamais vu un jeune détenteur d'un record en catégorie jeune, Benjamin Minim, on ne l'a jamais vu arriver à la catégorie senior. Donc ça, c'est néfaste pour les jeunes. Les jeunes, c'est la formation. Il faut que le jeune court, il faut qu'il lance, il faut qu'il saute. Et c'est ça qui fait la formation multiforme de l'athlète. La spécialisation de l'athlète, il y a déjà l'étape d'orientation. D'accord. L'étape d'orientation se fait à l'âge de 14-15 ans. On oriente l'athlète vers les types d'efforts de vitesse ou les types d'efforts d'endurance. D'endurance, voilà. Donc le fond et le demi-fond. Et la spécialisation se fait en deuxième année junior. C'est ce qu'on parlait, les U20. Voilà, les U20. Voilà. Les donc, U20. Évitez, messieurs, évitez de spécialiser les jeunes parce que c'est néfaste pour leur santé. Donc, on commence la spécialisation à partir de 18 ans, 19 ans. 18 ans, 19 ans. Je vais vous parler d'une spécialité. Je ne sais pas, je ne suis pas technicien en matière et tout. On connaît, on parle du 800, on parle du 1500. Pourquoi un niveau plus bas, c'est-à-dire dans les championnats régionaux, dans les championnats de Wilaya par exemple, il y a la spécialité de 1200 mètres. C'est une spécialité intermédiaire? Ça c'est des... Expliquez-moi justement, voilà, sur le plan, voilà, technique. Ça, c'est des épreuves pour les jeunes. D'accord. Pour les jeunes, c'est pas pour les seniors. Le 1200, ça se fait pour les minimes garçons. Il y a le mile pour les seniors, il y a le mile, oui, c'est une épreuve anglaise, donc ça. Mais ça continue à être dans les compétitions. Oui, ça existe, mais c'est pas une épreuve officielle de la World Athletic. D'accord. La World, IAF.
La World Athletic, maintenant c'est la World Athletic. D'accord. Avant, c'est un petit peu vieux. Je suis un petit peu vieux dans la voilà. matière. Moi, je parle d'IAF. La mise à jour, voilà. Avant, c'était l'IAF, maintenant c'est la World Athletic. Bah, parce que vous me disiez, à chaque fois, quand on parlait des parcours d'athlétisme et ouais. tout, vous me disiez, vous utilisiez, vous, quand on discutait, vous utilisiez le terme IAF. IAF. Il n'est pas homologué par l'IAF et tout, donc j'ai retenu ça. Maintenant, c'est la World Athletic. C'est le WA. Le WA, c'est la World Athletic. Athletic, voilà. C'est elle qui officialise le. Voilà, le mile. Le mile, ce n'est pas une épreuve officielle dans la World Athletic. Elle n'est pas homologuée. C'est une distance anglaise. Voilà. Anglaise. C'est les 1609 mètres. D'accord, voilà. 1609 mètres. Ouais. Je sors un petit peu de l'athlétisme quand même. Vous êtes le DTN de l'Handisport. On est obligé d'en parler, Choqué. Handisport, le basket, il prend la tête du classement. Alors, la sélection nationale algérienne des messieurs Handi Basket s'est emparée de la première place du tournoi. Content pour les Jeux sportifs, bien sûr, à l'issue de son succès face à l'Arabie saoudite, 67 à 42 lors de la deuxième journée disputée. Dites-moi, elle est représentée par combien de spécialités votre fédération au sein de ces Jeux-là et quels sont les résultats jusqu'à présent? Donc, on n'en parle pas souvent et pourtant ça nous ramène beaucoup de médailles. Voilà, pour les Jeux arabes, donc, notre fédération est représentée par trois disciplines, donc le para-athlétisme, donc... Tout ce qui est handisport, c'est para. D'accord. Para-athlétisme, voilà. Ouais. C'est para-athlétisme, donc, qui s'est déroulé en même temps que les valides. Donc, ça s'est terminé hier, avec 4 médailles d'or. Dommage, c'est la Tunisie qui... donc, c'est toujours le duel algéro-tunisien. Voilà. Même en handisport, c'est le duel algéro-tunisien. Ouais. Donc, les Tunisiens en tête avec 5 médailles d'or, et là, en deuxième position, l'Algérie avec 4 médailles d'or. Le handi basket, donc le basket sur fauteuil roulant. Donc, il y a l'équipe algérienne qui est détentrice du titre africain. Donc, victoire. Donc, il y a cinq équipes. L'Algérie, lors de la première journée, elle était exempte. Donc, il y a contre l'Arabie saoudite. Ouais. Et aujourd'hui, contre les Émirats arabes unis. Oui, le soir, 19h, je pense. 19h, voilà, en deuxième match. Et la troisième discipline, c'est le goalball. Voilà. Le goal. Parlez-moi du goalball. Voilà, le goalball, c'est trois joueurs. C'est un ballon sonore. Oui. C'est un ballon. Parce que le goalball, c'est... Non, mais je connais le sport. J'allais vous en parler. Comment connaît l'Algérie, c'est-à-dire la sélection nationale, comment qu'elle est sur le plan arabe, sur le plan africain au goalball? On est champion d'Afrique, les deux sexes. Donc, hommes et dames. Et pour ces jeux arabes, dommage, il n'y a pas eu de confirmation pour les dames, que ce soit pour le goalball ou le handi basket. Donc, il y a uniquement la participation des hommes des deux sports, handi basket et goalball. Et bien sûr, on compte, Inch'Allah, les deux médailles d'or. Dans les deux spécialités. Dans les deux spécialités. D'accord. Voilà. Et si, donc, c'est les seules trois disciplines. Les trois disciplines, voilà. Et c'était... c'était monsieur le président qui a décidé que le handisport d'accord, donc c'est le président de la République qui a décidé de... voilà. D'accord, très bien. Et sinon, dans les projets futurs actuellement, parce que même le handisport il va participer certainement au championnat d'Afrique, pourquoi pas au championnat du monde et même lors des Jeux Olympiques, nous avons eu des champions et on aura, Inch'Allah, bien sûr, des champions, d'autres champions en handisport. Est-ce qu'on a beaucoup d'espoir au sein de votre fédération, c'est-à-dire au sein des différentes ligues? C'est des ligues régionales, Choqué? C'est des ligues de Wilaya. C'est des ligues de Wilaya. Est-ce qu'il y a de l'émergence? Est-ce qu'il y a des talents prometteurs qui arrivent? Oui, nous avons 23 ligues. Il y a autant de licenciés, il y a autant de monde, surtout le para-athlétisme. Le para-athlétisme, bon, le handi basket, ça demande beaucoup de moyens parce que le fauteuil est très très cher. Très très cher. Il coûte combien? Oui, nous, on utilise toujours les anciens, mais maintenant, il y a des fauteuils. Oui, bien sûr. Il y a des fauteuils qui modernes. Coûtent, oui, il y a des fauteuils qui coûtent jusqu'à 2 millions de dinars. Hein. Un fauteuil 2 millions de dinars. 2 millions de dinars, 200 millions. Oui, j'ai compris, ouais, 2 millions de dinars. Voilà, t'as entendu, Saïd? Oui, un fauteuil pour handi basket, c'est 2 millions de dinars. Voilà. Hein. C'est-à-dire que ça coûte. Voilà. Ça coûte. Mais le handi sport, donc, on a une grande partie, enfin, beaucoup de licenciés en para-athlétisme, le goalball, la natation aussi,
le tennis, le para-tennis, le judo, parce que le judo c'est le visuel, c'est uniquement les visuels, et le golf c'est uniquement c'est des athlètes visuels. Voilà. D'accord, d'accord. Vous m'aviez parlé l'autre Et jour. le, vous m'excusez, Bien sûr, et pardon. le powerlifting. Le powerlifting, donc c'est Le quoi, l'haltérophilie. le, pardon? Powerlifting. Le Powerlifting. powerlifting, c'est l'haltérophilie, mais en étant allongé. En étant D'accord. allongé, donc nous avons un champion du monde. Un champion du Oui, monde qui est? Bater Hossein. D'accord. Deux champions du monde, un champion du monde senior et un champion du monde junior. D'accord. Khoja Emen. D'accord, voilà. très bien. Et vous m'avez parlé l'autre jour, lors de notre précédent plateau, vous m'avez parlé d'une sélection qui s'est envolée pour des championnats du Oui, monde. le 6, oui, qui sont actuellement, c'est le para-athlétisme, ils vont débuter demain. Donc demain, on aura deux athlètes sur la piste. Donc c'est le championnat du monde de para-athlétisme qualificatif pour les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques Paris Paris 2024. 2024. Voilà. D'accord. Donc c'est une fédération quand même qui est très 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 active. Alors, vous êtes en train de participer en même temps à deux compétitions à des milliers de kilomètres. C'est-à-dire Exact. l'Algérie est représentée dans les championnats du monde Voilà. actuellement et même dans les Jeux La arabes. deuxième Donc c'est équipe quand aux même. Jeux arabes, Ouais, exactement. Et nous avons aussi le mois d'août les Jeux mondiaux IBSA. Les Jeux mondiaux IBSA, ça c'est une organisation internationale, IBSA, de para-judo. Donc ça sera les Jeux mondiaux. Nous allons participer avec deux judokas. Et nous avons aussi les championnats du monde powerlifting à Dubaï. Donc on aura nos champions du monde qui seront présents. Et les deux championnats sont qualificatifs pour les Paralympiques 2024. Très bien. Voilà. Donc, on est revenu parce qu'il fallait en parler quand même en e-sport. Déjà, c'est votre fédération, il fallait en parler, mais aussi le handisport a dignement représenté l'Algérie à tous les niveaux, au niveau mondial, au niveau africain. On a eu des champions. Moi, je ne retiens pas trop les noms parce que je sais pas trop ma Oui, spécialité, mais c'est quand même des champions qui ont honoré le pays, oui. qui ont hissé le drapeau algérien haut dans différentes capitales mondiales, dans les Jeux africains, dans les championnats du monde. Il fallait qu'on en parle. Oui, commençons déjà par le regretter. Oui, Alag, Alain, oui. bien sûr. Alag. Alag, effectivement, Alag, oui. oui. C'était le 100, 100, C'est 100. le 100 et le 200 et le 400. Exactement. Il était champion dans les trois spécialités. Oui. Dans les Champion trois spécialités, paralympique, oui. Bon. champion du monde, c'était la tête mythique. Paix à Voilà. son âme, Voilà. oui, non, Alag, il nous avait voilà. donné beaucoup de Ouais. bonheur à Alag. Exactement. Une spécialité aussi, Chokri, dont on n'a pas beaucoup parlé et qui nous a quand même beaucoup honoré, après la surprise de la Palestine lors du premier jour de natation, l'Algérie qui reprend le dessus. Alors hier, sept nouvelles médailles, dont quatre en or pour l'Algérie. D'abord, les nageurs algériens qui ont remporté ces quatre médailles, une médaille d'argent et deux médailles de bronze, quatre médailles en or et tout. Donc l'équipe mixte garçons ont également remporté l'or dans le 4x100 mètres, nage libre, relais mixte. Et la nageuse algérienne Mellih Amel, qui sera aussi en lice aujourd'hui, sa médaille d'or sur le 50 mètres papillon. Nefsi Hamida aussi, qui sera tout à l'heure aussi dans le bassin à décrocher l'or sur le 100 mètres brasse. Et aussi, Jihan Ben Chedli a remporté une médaille d'argent de 200 mètres. Donc, en tout et pour tout, sept nouvelles médailles, quatre en or, deux en argent une en argent et deux en bronze. Quand même, c'est une moisson, c'est une récolte très très importante aussi. On revient très fort en natation. C'est sûr, Fatah, une moisson, mais avec un programme maigre. Hein. Moi, ce que j'ai constaté, c'est un programme maigre par rapport au. C'est-à-dire un programme. C'est-à-dire, c'est que, je vais vous expliquer, dans ces jeux-là, beaucoup d'épreuves ont été supprimées, que ce soit en athlétisme, que ce soit en natation, que ce soit en handisport aussi. En handisport, on avait 21 épreuves. On a supprimé 6 épreuves pour se retrouver avec 15 épreuves. Le pourquoi, c'est les confirmations. S'il n'y a pas de confirmation de la part de l'ensemble des participants, donc on élimine l'épreuve. Même en athlétisme, on a éliminé. Bon. Donc, ce que j'ai constaté moi en natation aussi, c'est un programme maigre. Et ça, c'est dû à la non-confirmation des autres pays pour les épreuves. Donc,
on n'arrive pas à trouver de conquérant par épreuve. Et c'est une règle, c'est-à-dire la confirmation Si, par exemple, en athlétisme, on n'a pas vu beaucoup d'épreuves, le pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le minimum de confirmation, s'il n'y a pas trois athlètes par épreuve, donc on élimine l'épreuve. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Un minimum de trois. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qui s'est passé pour la natation et le para-athlétisme aussi. J'ai aussi remarqué, on a remarqué une chose, la gymnastique. J'ai quand même l'impression que ça commence et ça se termine très rapidement. Bon, l'Algérie, elle a remporté la médaille d'or par équipe lors des épreuves de gymnastique artistique. Est-ce que c'est aussi un problème de... Voilà, de... c'est ça, c'est le programme. Voilà, c'est le programme. Donc, si on compare ça avec, par exemple, les Jeux méditerranéens ou les championnats du monde, donc, on trouve que le programme s'étale sur plusieurs journées. Là, la gymnastique, ça s'est déroulé en 2 jours, je ne sais pas, une journée ou 2 journées. Même la natation. La natation, d'habitude, ça s'étale sur une semaine. Une semaine, 10 jours, oui. Une semaine, 10 jours. L'athlétisme aussi. 4 jours, c'est maigre. C'est vrai que ça a été... C'est très maigre. Et voilà. Donc ça, c'est dû à la confirmation. La confirmation. Voilà. Et selon vous, parce que bon, c'est quand même des jeux UP, c'est des jeux quand même assez importants. D'ailleurs, il faudrait que tous les pays arabes tirent chapeau à l'Algérie, parce que c'est la deuxième fois que l'Algérie sauve déjà. Après les Jeux méditerranéens, c'est l'Algérie qui a sauvé la face en organisant les Jeux méditerranéens. Maintenant, les Jeux arabes qui n'ont pas eu lieu depuis 2011, 12 ans. 12 ans, et l'Algérie sauve encore une fois la mise, d'abord avec une cérémonie d'ouverture grandiose, avec des infrastructures, de niveau mondial, mais aussi avec une participation et des records. On était en train d'en parler dans différentes spécialités, en athlétisme, en natation, des records qui flirtent avec les records mondiaux. Fatah, une chose est sûre, quand l'Algérie s'engage, on honore notre engagement. Ah oui, non, voilà, c'est ça. C'est le tempérament algérien. C'est spectaculaire. Voilà, c'est les défis. C'est les défis. On l'a vu lors du CHAN. Voilà. Maintenant, pour le programme et tout, pour notre ami Saïd, le football. Deux poules. Deux poules. Voilà. Deux poules, c'est maigre aussi. Il y a 8 pays, je pense. Oui, 8 pays. Donc, d'habitude, on se retrouve avec 4 poules. Donc c'est ça le... Et vous me tendez la perche pour rappeler encore une fois que nos téléspectateurs sur Canal Algérie pourront suivre le match Algérie-Liban à partir de 21h en direct sur Canal avec notre ami Smaïn Belkaïdia. On n'a pas parlé de handball, Chouki, on a fait la récap, on n'a pas parlé de handball. Alors la sélection algérienne qui a battu hier le Qatar, je pense que... 28-27. 28-27, quand même, c'est une grosse performance. Le Qatar n'est pas n'importe quelle équipe. Oui, le Qatar qui a participé à la Coupe du Monde, le Qatar qui avait une équipe qui rivalisait avec la... Je ne sais pas qu'elle a fait le quart de finale. Au Mondial, effectivement. Au mondial. Je ne sais pas s'il y a tous les joueurs. Voilà. Et comme on dit, Chouki, priorité au direct, on passe à la boxe. Nous avons un Algérien qui va... entrer en lice là maintenant tout de suite, je vais prendre le nom, je vais le trouver, je suis sûr de le retrouver parce que je l'ai dans mes papiers. Saïd, excuse-moi, je suis un petit peu brouillon, donc ça va être le direct avec notre ami Abdelaziz Ben Salem qui va commenter ce combat. On reviendra tout à l'heure sur le plateau. Parce qu'on se traite avec... ان شاء الله وتشجيعات من الجماهير الحاضره هنا لهشام هشام معوش كيف تصور ثغر يركزنا كسيله اتمنى ان يكون الفوز جزائريا لحظات تنطلق هذه المواجهة يعني سين ليستيل لابوكسي مخلفنا ربع النهائي طبعا الثاني عندما تأهل سليمان صمغولي في الأولى وهشام معوش منتظر أن يتأهل في وزن أقل من 57 كيلوغرام إلى نصف النهائي
Claude Marouche, c'est un très bon boxeur aussi. Issu d'une école, une grande école de l'échelle nationale, donc l'école de Constantine. الجزائري يبدو أطول قامة لمنافسه يوسف إبراهيم. أداء من هذا الملاكم طبعا طريقة لكم متميزة يوسف إبراهيم. تولي ذكي يعني داري من اللكمات داري من اليمنى ثم باليسرى قوي هذا الملاكم شرس يوسف إبراهيم في الركن الأزرق صاغة ملاكمنا هشام معوش في سلسلة من الضربات السوليسيون باش هذا البوكسي دونك معوش توجو ديستانس انتظر ردة فعل هشام معوش هشام يبحث عن نكمة يسارية قوية ممتازة هنا ردة فعل ممتازة من هشام أمام ملاكم قوي شرس الأردني يوسف إبراهيم طبعا الملاكمة الأردنية تطورت في السنوات الأخيرة المدرب الحالي هو كوبي بالتالي نجد الملاكمين الأردنيين أقوياء على الساحة العربية وعلى الساحة الآسيوية أيضا جانبية من هشام ممتازة كانت باليسار مستقيمة بطول بامتداد الذراع من هشام من بطلنا الجزائري بينما هنا يمينية ويسارية وأخرى تصيب الوجه استفاقة لهشام معوش في هذه اللحظات استعاد توازنه الملاكم الجزائري بعدما تلقى مجموعة من اللكمات في بداية أو مع بداية الجولة الأولى نهاية الجولة الأولى إذن النهاية بمنازلة تقريبا كانت متكافئة إلى حد بعيد بينما هذا المدرب الكوبي مدرب المنتخب الأردني طبعا الملاكم الأردني متفوق بثلاثة اثنين ثلاث حكام منحوا التفوق للركن الأزرق بينما حكمان أو قاضيان منحا التفوق للملاكم الجزائري وبالتالي هناك تكافؤ قريب جدا يمكن أن يتدارك هشام معوش في الجولة الثانية مثلما فعل مع نهاية الجولة الأولى كان قويا وحاسما ممتاز مثلما سمعنا عبد الغاني أو عبد الهاني كنزي عندما قال له عليك أن تبدأ في سلسلة من اللكمات دون أن تتوقف حتى تربك خصمك أتمنى أن تكون الجولة الثانية جزائرية يوسف
ممتازة صاعدة من هشام معوش، لكن يجب أن يغطي الوجه بشكل جيد لأن الملاكم الأردني قوي كما ذكرت. يوجه لكمات جانبية مربكة من الملاكم الجزائري، لأنه في العادة اللكمات الجانبية تكون قريبة وبالتالي تكون قاسية وتفقد التركيز وتفقد الملاكم توازنه. هذا أسلوب الملاكم الأردني. أتمنى الجولة الثانية يستعيد فيها الجزائري توازنه وأن يعدل الكفتين. الحكمة تطالب الجزائري هشام معوش بعدم الدوران. قوي 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 الملاكم الأردني. آخر 25 ثانية من هذا النزال، مشاهدينا متابعينا تقريبا نزال متكافئ إلى حد بعيد بين الجزائري والأردني في هذا النزال العاشر في منافسات هذا اليوم، اليوم الثاني. لكمة يمينية إلى الأردني مع نهاية الجولة الثانية. صعب الحكم على من سيفوز في الجولة الثانية، ولكن كانت صعبة صعبة على الجزائري هشام معوش. هذا أحمد الدين مدرب المنتخب الجزائري رفقة عبد العزيز ويلبيني. أعتقد أن الجولة الثانية هي للجزائر أو للأردني. نعم للركن الأزرق تفوق الجولة الثانية على التوالي. بداية الجولة الثانية وتفوق للأردني بإجماع من الحكام. قلت بأن الملاكم الأردني ملاكم قوي، ملاكم شرس، حاضر بدنيا ومركز بشكل ممتاز. هو الإنذار الأول، إنذار أول للجزائري هشام معوش طبعا على طريقة اللكم ربما. لكمة أخرى من الأردني صراحة، ولكن الأردني وجه سلسلة من اللكمات، عنده يمينية قوية. يوسف إبراهيم ينتظر ردة فعل الجزائري في الجولة الثالثة. ممتاز هنا ردة فعل هشام معوش، لكن دائما مستميت الملاكم الأردني. بوت.
قوي النزال قوي النزال هشام معوش اصطدم بملاكم أردني كما ذكرت قوي جدا ومتمرس ومحضر بشكل جيد آخر 20 ثانية مشاهدينا متابعينا الأردني متفوق في الجولتين الأولى والثانية ويسير نحو تحقيق الفوز في الجولة الثالثة وحسم هذا النزال والتأهل إلى نصف نهائي وزن أقل من 57 كيلوغرام ونهاية النزال نهاية النزال بتفوق الأردني يوسف إبراهيم بالعلامة الكاملة وبإجماع الحكام والقضاة مبروك إذا مسبقا ليوسف إبراهيم ثاني المتأهلين إلى نصف نهائي وزن أقل من 57 كيلوغرام في انتظار المنازلتين المقبلتين في ذات الدور على كل سنذهب إلى راحة مدتها ربع ساعة قبل استئناف المنازلات هكذا يقول المنظمون بعد ربع ساعة من الآن سنتوجه إلى طبعا منازلة أخرى في وزن أقل من 57 كيلوغرام اليوم هي بين أبو صال وسيم من فلسطين ونواف الزحمي من الإمارات العربية المتحدة ولكن أعتقد بعد فاصل في انتظار إعلان شكرا ذلك رسميا السادة المدربين هنيئا إذن الأخوة الإداريين يوسف إبراهيم استراحة لمدة 15 دقيقة إذا راح لمدة 15 دقيقة مشاهدينا متابعينا نذكر بعد ذلك سنعود إليكم غدا مع نزال آخر في وزن أقل من 57 كيلوغرام في دور رابع النهائي لقاءات أخوية ودية بين جميع اللاعبين الموجودين بدون أي نتيجة لقاءات ودية فقط بدون أي نتيجة يمكن يشارك فيها جميع اللاعبين الذين خرجوا من البطولة تكريما للدورة العربية في الجزائر الشقيقة شكرا لكم Alors, on revient sur le plateau. On a vu avec beaucoup d'attention, on a regardé avec beaucoup d'attention ce combat entre Maouch Hichem dans les moins de 57 kilos face à Youssef Ibrahim, le Jordanien. Youssef Ibrahim, quand même épatant, il a battu d'une manière quand même assez logique l'Algérien Maouch Hichem, qui n'a pas démérité, qui s'est battu, mais il a perdu quand même. Le premier round, c'était par 3 points à 2, j'allais dire. Le deuxième round, c'était un 5-0 carrément. Et donc, au global, c'est Youssef Ibrahim qui a battu Maouch Hichem dans les moins de 57 kilos. Victoire logique du Jordanien, hein, Chokri. Logique et méritée aussi. Hein. On a vu que le Jordanien, il a beaucoup osé. En plus, un style de boxe très intéressant. Exactement. On l'a dit hier avec Saïd. La Jordanie est venue avec un style de boxe avec une garde très basse.
Très basse. Surtout un boxeur, il y a totalement une garde très 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 basse. Et c'est quel style Je ne sais pas c'est quelle école, mais c'est vraiment c'est très efficace. Il était ici hier, il nous a épaté, l'autre boxeur jordanien. Donc la Jordanie qui est en train d'émerger dans cette spécialité en boxe, vous êtes en train d'apprendre une chose. Et qui affiche beaucoup d'ambition pour les médailles d'or. Hein, aussi. Pour les médailles d'or en boxe, effectivement. Donc on rappelle le programme, on n'a pas vu les combats, mais on sait que nous avons pour les qualifs en demi-finale Mziel Mohamed Amin dans les moins de 57 kilos. Bon, mais Maouch Hicham qui vient de perdre face au Jordanien Youssef Ibrahim. Et on aura aussi Aït El Bakayo Ghorta dans les moins de 63 kilos et Yaïch Youssef dans les moins de 71 kilos. Dans les féminins, on aura bien sûr Boualem Romeissa dans les moins de 50 kilos. Nous avons, je pense, un autre combat algérien. Je ne sais pas si nous l'avons en direct. Non, on ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Très bien. Donc, pour revenir, Chouki, à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une spécialité dont on n'a pas parlé, c'est le volley-ball. Le volley-ball, on n'en a pas du tout parlé. La sélection algérienne qui a dominé le Qatar, 3-7 à 0, 25-12, 25-16 et 25-12. Et aussi pour les dames, où ils ont battu la Tunisie, 3-7 à 0. Exact, Fatah. Donc déjà, on a parlé de ça. C'est bien de revoir aussi sur la scène internationale notre équipe dames. La fameuse équipe d'âme qui a représenté l'Algérie aux Jeux Olympiques. Tout à fait, dignement c'est bien, d'ailleurs. C'est bien de... C'est les fameuses Ben Hamouda, cette équipe-là, d'accord. Ouais. Et c'est bien de faire enfin une relance par les Jeux arabes, donc ça fait du bien. Pour les masculins, je pense que on attend à une consécration à la fin de ce tournoi. Donc l'ambition, l'objectif pour la sélection masculine, c'est le haut du podium. Je pense que c'est pour les deux. Hein. D'accord, même pour les féminines. Pour les féminines, hein, je pense. Battre déjà la Tunisie, c'est pas. Ils ont toujours eu une équipe mais top niveau. D'ailleurs, ils ont beaucoup de titres de champion d'Afrique et champion arabe aussi, surtout les féminines. Ça sent même l'équipe masculine de Tunisie est une bonne équipe de volley-ball. Oui, j'ai vu hier l'intervention du coach algérien. Il a beaucoup parlé du volley-ball féminin tunisien. Encore du style très 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 proche de l'Algérie, donc c'est toujours un duel algéro-tunisien. Voilà, encore une fois avec notre ami Chouki Achour, c'est toujours le duel algéro-tunisien. On en a parlé en gymnastique, on en a parlé en athlétisme, on en a parlé en judo. Et là on est en train de parler de volleyball. Rappelons, on a parlé tout à l'heure de l'équipe nationale de handball qui a battu son homologue qatari sur le score de 28-27. Et aujourd'hui, l'équipe nationale de handball, c'est une sorte de renaissance aussi avec le retour de Salah Bouchkriou à la tête de la sélection. Et ils vont affronter l'Irak à 19h. Oui, avec le passage qu'a fait la sélection de handball des hommes algériens. Je pense que ça fera du bien pour un redémarrage. Vous pensez que ces Jeux arabes, c'est un tremplin au moins pour remettre la sélection sur les rails. C'est-à-dire, même si on ne va pas cracher sur une médaille d'or, c'est toujours le bienvenu, mais je pense que c'est un retour sur les médailles parce que notre handball, c'était le chef de file africain. Rappelez-vous, 80-90, cinq fois champion d'Afrique de suite. Niveau mondial, on a gêné beaucoup de sélections mondiales. Bon, il y a eu le déclin après pour beaucoup de raisons. On n'a ni le temps ni l'envie d'ailleurs de les énumérer. Mais l'équipe de handball, la sélection algérienne de handball, est en phase de revenir à son plus haut niveau. Ça prendra certainement du temps. Est-ce que vous pensez, Chouki, que nous sommes sur le bon chemin ?
Il le faut, hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut reconstruire cette équipe. Bon, c'est la tâche de la fédération, hein. C'est beaucoup plus un travail administratif, un travail au niveau de la DTN, un travail au niveau en collaboration, bien sûr, avec. C'est-à-dire, il faut. Quand on dit la fédération, maintenant, la DTN. Il faut avoir un championnat. Il faut avoir un championnat à la hauteur des ambitions de l'équipe nationale. Voilà. Un championnat. Donc, on revient. Vous me tendez la perche pour reparler justement de ça. On revient à ce qu'on a dit. Il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a pas de secret. Vous avez dit ça en athlétisme, on a félicité la Fédération algérienne de judo. On a dit les athlètes sont en constant regroupement et ça leur permet de rester à niveau et même de caresser le niveau mondial. Pour l'athlétisme, vous avez dit, c'est très clair, il faut des centres de formation et tout. Pour le handball, la balle est dans le camp de la fédération. Il est temps que l'Algérie revienne au devant de la scène mondiale. Bon, parce que arabe, je pense qu'on est pas mal classé, quoique on est dépassé par l'Égypte et la Tunisie ces dix dernières années. Mais l'Algérie a toutes les capacités, tous les moyens de revenir. Mais on revient. Et notre ami Nourdine Henni, que je salue d'ailleurs, qui est au rang, qui va commenter les matchs de l'équipe nationale, a toujours dit. Il faut qu'on revienne à la formation. Il n'y a pas de secret, c'est la formation. Nous avons de la patte, nous avons des jeunes handballeurs de très, très bonne qualité. Il suffit d'investir sur ces jeunes. Le meilleur exemple étant la sélection U21 qui a participé au championnat du monde. Mais nous avons aussi d'autres jeunes dans des clubs qui ne sont pas encore sélectionnés, mais qui sont sélectionnables. Et on peut constituer une équipe nationale de handball d'un très haut niveau, Chaukri. Vous avez dit qu'il y a la patte, il y a le potentiel, il y a le potentiel. Maintenant, le secret, maintenant, il faut élargir la base de pratique, la pratique de base. Il faut élargir la pratique de base pour arriver à un sommet de qualité. Est-ce que vous ne pensez pas, Chokri, qu'il faut des paliers ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même oui. panier. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un groupe d'élite, un niveau d'élite, une ligue d'élite constituée, je ne sais pas, je ne connais pas la spécialité, mais constituée de 8, 10 clubs au maximum et travailler à un haut niveau, c'est-à-dire les mettre face à face, tous ces clubs-là, les mettre face à face. Déjà de là, on peut tirer une sélection. Et puis même en bas, ils vont travailler pour pouvoir accéder. Donc une ligue d'excellence, si je peux dire. Non, quand je dis élargir la pratique de base. C'est ce que je n'ai pas compris. Voilà, c'est pas moi, je ne parle pas du championnat. Pas. On a parlé du championnat, c'est normal. Ça, c'est aux fédérations de faire ça. La stratégie, le championnat, parce qu'on l'a dit, c'est à travers le championnat, c'est la vitrine. C'est la vitrine, exactement. C'est la vitrine. Et même notre ami Saïd, c'est ça. On a toujours pointé du doigt le football algérien. C'est le championnat. Voilà, le championnat, c'est le niveau du championnat algérien. Voilà. Donc, moi, quand je parle d'élargir la pratique de base, c'est chaque discipline, il faut qu'il y ait une pratique de masse. Une pratique de masse pour arriver au sommet avec une élite bien, bien solide. C'est ça. Chokri, j'entends ce que vous me dites, ouais. Je l'entends. Moi, j'ai un autre avis sur ça. Vous êtes le spécialiste, j'entends ce que vous dites, mais j'ai un autre avis sur ça. Nous avons une case qui nous manque. Et je vais vous le rappeler, c'est de notre génération, c'est de notre niveau, le scolaire, qui s'appelait le FASU à l'époque. Moi, je me rappelle d'une sélection, je peux vous citer même des noms. Bien sûr, je parle en football surtout. Beaucoup de joueurs, même des internationaux, qui sont sortis de la FASU. Ça, à l'époque, ça s'appelait la FASU, maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est la FASU. C'est la FASU, toujours. Je peux vous citer Abdeslam Atik. Ouais. Abdeslam Atik, qui a fait les beaux jours du grand-tante de Kolo, qui est venu jouer au Nahd aussi, qui a été international, il a été sélectionné à plusieurs reprises. Abdeslam Atik a été vu, recruté, récupéré
du club scolaire d'El Milia. Vous imaginez un petit peu une daïra de la wilaya Djidjel. Abdeslam Atiq a fait les beaux jours de beaucoup de clubs. C'était un buteur racé et tout. Et pas que. Dans beaucoup de spécialités. On va parler d'un athlète aussi que vous connaissez très bien, qui faisait les beaux jours de l'athlétisme algérien sur le plan arabe, sur le plan africain, Mourad Bouljaj. Oui. Mourad Bouljaj, qui est issu aussi du scolaire. Je me rappelle, ce qu'on appelait ça le score, l'Adwarifi, c'est voilà, le cross des APC. Des voilà, cross-country, voilà, cross c'est country, une sorte voilà, de cross-country. Même Morsi est issu Morsi aussi, scolaire. Oui, Morsi aussi. Oui. Bouajimi à l'époque, Ahmed Bouajimi. Oui, donc, oui. Pour ne citer que cela, mais il y en a, je suis sûr, il y en a plusieurs qui sont comme ça. Donc, ce que je voudrais, votre avis, Chouki, sur l'importance, Badrouben Hedjouja le répète à chaque fois, l'importance du sport scolaire. Regardez, par exemple, les nations allaient développer. Citons les États-Unis, par exemple, l'Amérique, il faut la moyenne au sport pour rejoindre des universités. Donc, l'importance du sport. Et c'est pour ça que le sport scolaire devrait reprendre sa place. Je vous laisse quand même développer un petit peu ce sujet, Chokri. C'est sûr, le sport scolaire, c'est élémentaire. C'est élémentaire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éducation physique. L'éducation physique. Donc le jeune, il doit flirter avec le sport au niveau de sa première année à l'école. Maintenant ça s'est développé un peu. Maintenant il y a les écoles de formation. Donc même si l'enfant ne pratique pas le sport à l'école, il y a les écoles de formation. Donc maintenant on prend les jeunes à bas âge. À 10 ans, vous trouvez les écoles de formation de football, vous trouvez les écoles de judo, vous trouvez les écoles de natation qui commencent à l'âge précoce, même à 5 ans. Vous trouvez des écoles de gymnastique, vous trouvez les écoles d'athlétisme. Donc, c'est de ça que je parle, moi. C'est élargir la pratique de base, quel que soit que ce soit scolaire ou des écoles privées. Maintenant, il faut, on revient à l'infrastructure. Toujours. Voilà, ben c'est la pierre angulaire. Il faut les infrastructures de proximité, il faut les infrastructures appropriées pour les jeunes. C'est ça, c'est lié la pratique avec l'infrastructure. Et voilà. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Ça commence quand même à pousser, à se développer, les centres de formation. Oui. Je pense que le football domine un petit peu dans ce domaine. Ça, c'est l'évidence. C'est la même tendance. C'est le sport roi. Mais je n'ai pas vu d'école d'athlétisme. Enfin, je n'en ai pas entendu parler, des écoles d'athlétisme. Gymnastique, je suis d'accord. Natation, oui. Natation, nous avons des champions un petit peu partout. Les clubs, bon, ils profitent des infrastructures, de l'infrastructure de la localité, c'est-à-dire une piscine de Wilaya, par exemple, une piscine d'APC et tout, ils profitent de ça. Ça fait quand même sortir des athlètes, ça fait sortir des talents et tout. Mais centre de formation proprement dit, c'est-à-dire un club sponsorisé par, je sais pas, une société privée ou publique, à la tête quelqu'un qui veut investir sur ça et avoir un club réellement privé. Ça le pousse à la preuve, nos champions, ils sont en train de s'entraîner à l'étranger, Chokri. Au niveau de l'athlétisme, c'est pas très répété, c'est pas très structuré que football. D'accord. Le football, c'est beaucoup plus structuré, c'est financé, c'est pris en charge et tout. En athlétisme, c'est pas pareil. En athlétisme, je vous invite à aller voir au niveau des wilayas, à l'intérieur du pays et tout. Il y a toujours une masse de pratiques au niveau des jeunes. Et là, on constate ça lors des crosses que vous avez citées. Oui. C'était un événement à l'époque. Les départs, les courses des jeunes, c'est toujours 200, 300 jeunes au départ. Effectivement. C'est ça ce qui fait le charme. Le charme, voilà, c'est ça. Mais après, en athlétisme... Après, il y a l'orientation des jeunes. Il y a des jeunes qui s'orientent vers les sports collectifs, les sports de combat. C'est ça, l'athlétisme, c'est un sport de base. Il y a trois sports de base. Il y a l'athlétisme, la gymnastique et la natation. Ces trois, c'est,
Moi, je conseille à tous les parents de commencer à leurs enfants par ces trois sports. L'athlétisme, la natation, la gymnastique. Ces trois sports qui forment le jeune. L'athlétisme avec sa variation, la course, les lancers, les sauts, la natation avec le milieu aquatique, la gymnastique avec les exercices de sol et tout ça. Et en plus, c'est des sports où on peut commencer à l'âge précoce, surtout la gymnastique et la natation. Donc c'est ça. Et après, c'est pour ça que vous avez dit qu'on ne voit pas des écoles au niveau de l'athlétisme ou tout ça, sauf au football. Mais si vous allez voir le début de saison et tout ça dans les cross et tout, vous voyez un nombre de jeunes exceptionnels. Oh, moi, je me rappelle, à mon jeune âge, c'était un événement. Oui. C'était un événement. Vous parliez de 200, je peux vous parler de 500, 600. Oui, oui. 500, voilà, 600 voilà, des courses auxquelles j'ai participé en scolaire et tout. Bon, je n'étais pas très doué pour ça. Je préférais le football. Mais c'est vrai que c'était un événement et c'est pour ça qu'il y avait autant de champions voilà, aussi. Tous ces athlètes que vous voyez, les moulins, ils sont issus exactement. De ça. Il y a des exceptions que je vais vous citer et que vous allez être étonné. La Hulu, c'est un basketteur. D'accord. Voilà, la Hulu, c'est un basketteur. La Hulu, il a pratiqué le basket jusqu'à la catégorie cadet. Khdab Lomi est un basketteur à l'origine. Voilà. Hein, donc il a basculé du basket à l'athlétisme. Moi, je connais des athlètes qui ont basculé de l'athlétisme au basket. D'accord. Voilà, c'est ça le. Bien. Oui, bon, pour signaler aussi que notre ami Shoqi Achour lui est arrivé de faire de la préparation physique à des clubs de football. Ouais. C'est dire l'importance de l'athlétisme, de l'omnisport et de l'athlétisme en particulier. Dans la préparation même du sport roi, des footballeurs, entre autres. Et j'allais revenir, Shoqi, sur la natation. On était en train de parler de natation. Je pense qu'il faut moins de moyens, parce qu'une piscine suffit. Une piscine dans une localité suffit. Bon, je ne dis pas qu'une piscine suffit au sens large. Ouais. Je parle d'une piscine qui pourra suffire dans le sens de ce que vous étiez en train de dire, pour au moins préparer un club, les masculins et les féminins, une partie de la journée pour une. Donc l'importance, l'intérêt d'avoir dans chaque commune une piscine, pas une piscine, voilà, exactement, voilà, je cherchais le mot. Une piscine avec des normes. Avec des normes, c'est comme ça qu'on pourra avoir les champions. Quand on dit une piscine avec des normes, avec un bassin d'initiation. Parce que quand on ramène des jeunes qui ne savent pas nager, il faut passer par le bassin d'initiation. C'est ça. On ne peut pas conduire une voiture sans avoir un permis de conduire. Oui, voilà. Mais sans passer par le... Vous êtes d'accord avec moi, Shoqi, que c'est des spécialités que vous avez citées, c'est la moins coûteuse, quelque part, c'est la moins coûteuse. On a une piscine, on consacre... Allez, vous êtes en train de parler d'initiation. On consacre, par exemple, on crée un petit club dit doué, garçon, on dit doué fille avec EE, et créer le club, ramener un formateur, un préparateur, un formateur, et commencer à lancer à ce stade-là. Ensuite, ils pourront monter au niveau wilaya, et il y aura une équipe de wilaya. Et ensuite, on pourra fournir l'élite, c'est-à-dire ceux qui sont doués, qui sont faits pour ça, qui démontrent des qualités qu'on doit développer. Ils doivent être canalisés, ils doivent être bien pris en charge et tout, on pourra constituer une élite. Mais ça vient de la base. Et ça revient à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Voilà. L'infrastructure, c'est exactement ça. Actuellement, je pense qu'au niveau de chaque wilaya, il y a une piscine. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a la demande qui... Il y a beaucoup de demandes, surtout au niveau des jeunes. Surtout, maintenant, les parents orientent leurs enfants vers la pratique sportive. Surtout la natation, les sports de combat, le judo, la boxe, l'athlétisme, le football aussi. Donc, au niveau des piscines,
quand il y a une demande très forte, une piscine ne peut pas subvenir aux besoins de la demande qu'il y a au niveau de chaque wilaya. Voilà. Et je ne parle pas de wilaya Chokri, je suis peut-être mal exprimé, je parle de chaque commune. De chaque commune, ça pourrait quand même être suffisant. Ça pourrait quand même être suffisant pour prendre en charge. Bah, écoute, si on a deux piscines par commune, ça serait le top, c'est bien. Mais déjà, au moins une piscine par commune, je ne sais pas si on a atteint ce stade. Vous êtes plus au courant que moi sur ça? Non, non, je ne pense pas. Je pense pas. Moi, déjà, j'ai parlé d'une piscine par wilaya. C'est déjà pas mal. Deux, trois piscines, ça parce que il faut pas oublier, Fatah, qu'une piscine, ça... Il y a derrière, il y a tout un entretien. L'entretien de l'eau, l'entretien de la bâtisse. Donc, ça demande beaucoup de moyens pour le fonctionnement. Voilà, ça demande beaucoup de moyens pour le fonctionnement. On essaye de lancer des messages pour ça, pour sensibiliser, parce que la PAT existe. Il suffit, il n'y a pas de secret, on ne le répétera jamais assez, il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail qui paye. Chokri, on fait une petite pause de 15 minutes, on reviendra au direct. Ne quittez pas, restez sur Canal Algérie, on reviendra dans 15 minutes, à tout à l'heure.